S'il ne regarde pas au prix, pas grand-chose, et même si le Jésus agissant en fidèle serviteur, rien ne justifie que nous puissions prendre part à la table du monde. Jamais nous ne pourrons rendre l'invitation qui nous est faite parce qu'elle est gratuite. Soyons joyeux d'être là aujourd'hui à cette Eucharistie, parce que Dieu donne gratuitement sa nourriture. Ouvrons-lui le chemin, notre cœur, et préparons-nous à l'accueillir dans sa parole et dans son temps. Que pourrons-nous pour accueillir notre célébration? Première lecture, l'humilité n'est pas une vertu très à la mode.
Seigneur et les hommes lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux, elle s'en revêt, car la racine du mal est en lui. Qui est censé méditer les maximes de la sagesse, l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fer, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isoler, Dieu accorde une maison. Captif et dans la liberté. Je répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour.
cet acte sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. On aime bien ça dans certaines occasions d'être invité à un banquet. Si c'est la célébration d'un mariage, c'est heureux, les gens sont souriants, la nourriture est bonne et on en profite. Il y a quelques mois passés, j'avais été invité à faire une retraite fermée en France. Et c'était une retraite assez spéciale. Parce que c'était une retraite pour parmi les personnes les plus riches en France. Des financiers, des recherchistes, des médecins, des avocats. Et puis, moi je crois à servir tout le monde. Et quand je dis tout le monde, du plus pauvre à celui qui est venu, anéanti. Et donc je suis allé, et puis à l'occasion de chaque jour, ce qui m'a vraiment surpris, quand je me disais que je n'aurais pas grand-chose à faire là, mais chaque jour, on avait l'Eucharistie. Tout le monde venait à la messe, ça faisait partie du programme de chaque personne. Et puis j'ai fait des messes, j'ai participé à des messes, j'ai célébré des messes où je pensais que le toit de l'Église allait se lever. L'enthousiasme, le chant, la force, puis je me disais, mais mon Dieu, il y a des gens riches qui sont capables d'apprécier le Seigneur et puis mettre le Seigneur dans leur vie. Puis moi-même, j'étais doublement réjoui de voir tout ça. Et vers la fin, il y avait un dernier grand banquet d'honneur. Il y avait des gens qui étaient des politiciens, des gens qui étaient vraiment élevés. Et puis, c'était fait dans un château en plus, dans Périgord, la capitale de la gastronomie en France. Je m'ai mis à côté à l'arrière de la porte. J'ai dit, je vais regarder, mais je ne m'avançais pas trop proche parce que c'est vrai que c'est tout un moment et puis une grande fête. Donc, j'ai resté à la guerre pour examiner un peu ce qui en fait et tout ça. Et puis, en plus, j'avais un petit sac. Hein, un petit sac, je ne peux pas croire que je n'avais pas pu me trouver un meilleur sac que ça. Et un petit sac de Walmart rempli des petits crucifix, des petites sœurs du Saint-Sacrement à l'Institut. Puis ils en ont fait des petites toiles. Je ne sais pas si vous en avez eu, mais on en a distribué. Avec des petites perles et un petit peu de tricot. Puis, c'était des toiles bien simples, mais les gens ici de la région les acceptaient avec joie parce que c'était fait par les petites sœurs du Saint-Sacrement. Les petites sœurs avaient dit, écoute, donne une poix à tout le monde. Quand il y a un dîner ou un repas, j'étais trop gêné. J'ai dit, je ne peux pas arriver là, mon Dieu, les gens qui arrivent en baby, bébé, puis ils n'ont pas pris les avions privés, puis tout ça, puis que je charge. Non, je dis, je vais me trouver une autre occasion. Mais c'est pas ça. À ma grande surprise, la personne au micro dit, on ne peut pas commencer notre banquet sans avoir une présence d'un homme de Dieu parmi nous. Est-ce que là, l'argent, vous le voyez quelque part? Oh! J'avais envie de peser un bouton pour descendre dans le cadre. Et donc, je me suis avancé. Je ne sais pas pourquoi, par automatique, j'ai pris mes deux gros sacs de Walmart. Puis j'ai monté à la table, qui était la table d'honneur. J'étais assis à côté du président de lui qui avait tout organisé cette grande patente-là. Avec les épouses et les femmes. J'ai dit non, là je suis repris. J'ai pris mes nerfs,
penser aux champs de patates, tu arrêtes de penser aux animaux dans le Maine-Ouest-Ca, qui mettent la tête ailleurs pour que tu puisses desservir ces gens-là. Donc, lorsque je me suis levé, j'ai dit, on ne peut pas, j'ai fait le même ton que le pape a dit qu'il voulait trouver dans le début, j'ai dit, on ne peut surtout pas célébrer le banquet sans le bénir et sans remercier le Seigneur pour l'abondance qu'il a devant nous. Là, il savait que je me moquais un peu de lui, mais en tout cas, c'était, il y avait un message à passer. Et donc, on a béni, et puis là, j'ai dit, chers amis de ma douce France, patrie de mes ancêtres, c'est pour les bichets, un petit peu, des amadoués, là, tu sais, certains des campagnes qui vont t'écouter. Pays de la gastronomie internationale, j'ai dit, j'en ai quelques petits cadeaux pour passer aux tables. Et puis, avant qu'on donne le rapport, j'espère que vous allez viser tout ce qui se passe ce soir sur le petit crucifix des heures du Saint-Sacrement à être bonifié au Nouveau-Brunswick. Puis là, les croix étaient distribuées, mais c'était merveilleux. La simplicité de la croix les a émerveillés. Eux autres qui sont habitués aux gros diamants, tu sais, puis ça brille, plus ça brille, plus beau que c'est, mais la petite croix des sœurs les a pognés d'autant d'idées. Puis ce qui est le plus beau, c'est qu'ils ont tous attaché la croix sur eux. Et frère et sœur, je peux vous dire que c'était un des plus beaux banquets que j'ai jamais assisté sur le Dieu de France. Dieu était primo. Quoi d'autre qu'on pourrait demander? Les gens qui étaient là avaient finalement, c'était comme une conversion, qui avait toujours été là, mais qui n'avait pas sorti pour bien des occasions de peur qu'on est déplacé si on agit trop au nom de Dieu. Mais ce soir-là, ces mêmes gens-là ont glorifié le Seigneur d'une façon incroyable. Et moi, je ne pouvais presque pas manger. Quand j'étais émerveillé, je disais merci Seigneur de m'avoir classé et de m'avoir permis de pouvoir accomplir ta volonté ce soir. Bien, frères et sœurs, je vous annonce, n'ayez pas de regrets, soyez surtout pas jaloux, parce qu'il y a un banquet qui vous attend qui va être encore mieux que celui-là. Et c'est le banquet du Père au ciel. Le banquet que Jésus nous a promis. Le banquet où le Père va être présent, le Créateur de l'univers, celui qui a créé toute la vie, celui qui a créé tout l'univers, et on va être en face de lui, face à face, dans le banquet éternel, de la joie éternelle, de la promesse éternelle, de l'espérance éternelle. Et puis on est tous invités, tous. Mais lorsqu'on va d'un banquet, il faut quand même se préparer. On n'arrive pas là comme un petit métro. Il faut avoir quelque chose à offrir. Il faut y aller avec une bonne ambiance, avec tout ce qu'il nous faut pour être une lumière, pas une noirceur à l'intérieur du banquet. Comment on fait pour se préparer pour le banquet du Père au ciel? C'est ça mon message ce soir. Puis vous êtes chanceux, vous êtes assis pour m'entendre. J'espère que vous ne l'écouterez pas juste pour vous autres, mais dites-le aux autres pour s'organiser. Le banquet éternel se prépare ici sur terre lorsqu'on vient, chacun d'entre nous, recevoir l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, à cette table. Frères et sœurs, frères et sœurs, voilà la préparation idéale. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'on reçoit le Christ en nous. On devient semblable au Christ par le fait qu'on le porte dans notre cœur. Et aussi, on a une chance de répandre l'amour de Dieu parce que l'Eucharistie est le plus grand symbole d'amour qui nous a été donné sur la surface de cette terre. Donc, je ne veux pas nuire à votre sujet à soir, ce soir, mais excitez-vous un peu.
Il y a assez de raisons pour s'exciter de faire qu'on va aller à ce grand baptême. Recevez l'Eucharistie. Venez à la messe avec une joie en sachant que chaque fois que vous recevez l'Eucharistie, vous vous approchez du plus grand banquet au niveau de tout l'univers, celui de la présence du Père, où on est tous ensemble comme frères et sœurs. J'aime bien le poulet barbecue dans l'eau du Maroisca, mais mon Dieu, j'attends celle du ciel encore plus. Soyons joyeux du fait que nous avons encore une église. Soyons joyeux qu'on a la chance d'avoir au moins un prêtre encore. On prend souvent tout ce qu'on a devant nous pour acquis, et puis on devient tellement blasé que parfois on vient, on n'est pas sûr pourquoi on vient. On vient parce que, je suis obligé. On vient parce que il n'y a pas grand-chose sur la télévision en ce moment. On vient parfois parce que ma tante Claire vient à la maison là, pour rencontrer vos parents, puis vous êtes mieux sortir de la maison que de rester dedans. Il y a toutes sortes de raisons personnelles. Mais moi, je vous dis, venez, divine enfant, avec joie dans votre cœur. Prenez jamais l'Eucharistie pour acquis. Et puis répandez cette nouvelle. Moi, quand j'ai fait la célébration de vie d'Élude Landry dans cette église, j'étais pris de l'Esprit Saint, c'était pas possible. L'église était remplie, le jubé était rempli. Je me disais, Élude, c'est le plus beau cadeau que tu aurais pu faire à toutes les gens de Riceville et de St Hilaire. Par ta mort, il y a des gens qui sont venus recevoir le corps et le sang du Christ, et tu as permis à tous ces gens-là de s'approcher du plus grand banquet qu'il y a au ciel. Et je le remercie encore. Mais par contre, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on reprend rapidement nos vieilles habitudes, puis tout devient priorité, excepté le bon Dieu. Et c'est là, frères et sœurs, où je vous dis ce soir, gardez une priorité pour Dieu. C'est lui le premier. C'est lui qui va vous donner la plus grande récompense et le plus grand cadeau de tout l'univers, la vie éternelle. Dans la joie, sans souffrance, sans panique, sans stress, parce que le paradis du Seigneur, c'est là où vous allez retrouver l'essence du plus grand cadeau que vous ne pourriez jamais recevoir, l'essence de l'amour. Et voilà la raison pour laquelle c'est pour aimer, pour apprendre à aimer. Et pour aimer non seulement moi, mais aimer les autres. Pour aimer non seulement ceux avec qui on est prêt, mais aussi ceux qu'on ne connaît même pas. L'amour, voilà ce que le règne du Seigneur nous donne, et il nous donne cet amour dans sa plus grande perfection dans la célébration de l'Eucharistie. Ah! Prenons une seconde, seconde ou deux, pour réfléchir à la grandeur de celui que j'appelle le bon Dieu. Et allons chercher de la gratitude dans le cœur et lui dire merci. Merci de nous avoir créés, de nous avoir donné de la vie. Merci d'être là. Ensemble, frères et sœurs, récitons, mais avec compréhension, et pas seulement les lèvres et notre cœur,
le je crois en Dieu, qui est la pierre qui symbolise pourquoi nous venons tous ensemble nous regrouper comme famille pour la messe qui représente la messe du dimanche. Et notre prion en Église, le symbole des apôtres, à la page 11. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, la mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de la mort, est remonté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra à juger le vivant et la mort. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors que Dieu nous accueille à sa table, présentons-lui la fin de notre monde en disant ensemble, montre-nous, Seigneur, ta bonté. Pour que nous puissions accomplir des gestes de solidarité envers des personnes qui ne mangent pas à leur faim, que le Seigneur nous donne sa sagesse et sa force. Pour que nous sachions honorer la terre et en prendre soin, que le Seigneur nous donne sa sagesse et sa force. Pour que nous traitions avec respect et compassion les personnes victimes d'un accident de travail, que le Seigneur nous donne sa sagesse et sa force. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Que ce repas nous conduise à une plus grande solidarité avec les humains du monde entier, que le Seigneur nous donne sa sagesse et sa force. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Dieu notre Père, toi qui nous combles de tes dons, accueille notre prière et exauce nos demandes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra la fin de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la flamme de l'Eucharistie
remercier que Seigneur nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous élève dans les siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons notre cœur au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice. Vraiment, Père Messe, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est à lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, Saint, Saint. Le Seigneur a fait de l'univers, le Seigneur a fait la sortie de la croix, aux anneaux, au plus récit, béni soit celui qui est pour notre Seigneur, aux anneaux, au plus récit. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur le Père de Dieu, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ.
fils bien-aimé. Je vous demande juste de vous préparer parce qu'il y a un Amen qui s'en vient. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux soucis à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous entraîne pas dans la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Ce soir, vous avez la grande permission de sortir de votre coin de banc pour aller souhaiter la paix à tout le monde qui est autour de vous. Belle permission, profitez-en. Frères et sœurs, dans la charité et l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu. Thank you.
Prions ensemble. Rassasié par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Jésus. Et là, je réponds une avance sur vous parce que vous êtes tellement en arrière. Si je fais cela, je ne pourrais aller pas de l'autre. On va faire la bénédiction pour que j'ai la chance de prendre les portes. Tu as une petite annonce, ça, c'est le temps de me le dire. Oui. C'est une annonce à la demande de l'unité de l'équipe d'animation pastorale. Samedi 14 septembre, place de l'artisan de Benstein à 10h, le nouveau chapitre 18 à 35 ans du diocèse de Benstein invite à un fun run et une œuvre de donner au suivant. Que le Seigneur est tout puissant qui t'a vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et moi, je vais commencer mon fun run tout de suite.